Eh bien, coucou YouTube, ça va? On enchaîne. Quatrième heure de jeu? Ouais, allez, on est reparti pour une heure et là, c'est full découverte parce que je n'ai jamais joué aussi loin et le setup est vraiment, vraiment solide. Et ça, ça fait plaisir. À part la bouffe, là, je crains un petit peu, mais ça devrait aller. Alors, on va commencer par mettre des pompes supplémentaires. Parce que là, on est vide de chez vide. Alors, notre production de carburant... Je pense que ça, je peux le mettre sur pause, hein. Alors, on arrête ça, comme ça j'arrête de cramer du charbon ici. Et là maintenant je fais que marcher ça parce qu'ici ça nous produit de l'essence 9. 9 et vous voyez que c'est avec la vapeur qu'on crame là-dedans. Donc 4 charbons. Ici c'est 4 charbons aussi. Donc voilà, on fait plus d'essence avec ça qu'avec ça. Donc ça on peut l'arrêter. Mais malgré tout, je vais quand même rajouter des trucs comme ça. Pas bon ça. C'est peut-être pas le plus efficace, mais ça sera fait comme ça. Ça c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait dit qu'on voulait faire ? Bah, faudra que tu regardes les rediffs. Parce qu'il y a trop de choses. Donc, qu'est-ce que je voulais faire de plus? Alors ça, ça va se remplir à une vitesse folle. J'espère que non. Par contre, 226 sur 300, voilà, on va faire ça. Fait. Ok, faut bien que je surveille la bouffe parce qu'on est qu'à 17 mois. Donc là on va bientôt, voilà on est à 80% parfait, 70%, 50%, 0,3 mois en récolte, j'espère que ça va aller. Ok. Alors le copper, qu'est-ce que j'ai dit? Il fallait que plus d'eau aussi, voilà, on va rajouter ça. Miam, miam, miam. Du coup, là, on part pour ça, on est à 30%. Ok. Alors, ça remonte direct? Non, ça remonte pas du tout. Bon, par contre, waouh, le jeu, il perd des frames. Bon, après, c'est peut-être normal, hein, c'est pas optimisé encore. Le copper. C'est la merde en copper, non? Est-ce que c'est la grosse merde? Ouais. Ok, c'est le moment d'aller faire un tour de bateau. On va aller là. Est-ce qu'il nous faut du copper? Alors, justement, à propos du copper, nous voici. J'ai 3.86 de Unity. J'ai 15 workers disponibles. J'ai le copper qui est ici et qui est full. Donc là, il y a 2 pour ça. Ici, là... On va se mettre comme ça. Le copper, il est là. Ah. Ah purée, ça va être un problème, ça, ces poteaux qui se déplacent pas. Il va falloir refaire tous les tapis. Ah non. Non. Surtout que là, il est en un seul cran. Et on peut pas effacer juste un bout de tapis, je suis obligé de tout virer. Donc mes tapis sont mal faits. Faut pas que je fasse comme ça.
Est-ce que là, le charbon, je peux l'emmener là-dedans, justement? Et non, parce que là, je suis en face des trucs. Donc, faut que je colle plus ça. C'est pas bon, ce que j'ai fait. Ah, le schlag, c'est vrai. Ok. Donc là, ça suit ici. Le schlag. Alors voyons. Là, si je fais comme ça. Ok. Ah putain, ça gêne encore en fait. Ok. On va s'y prendre différemment. Ça, c'est pour les deux machines qu'il y a là. Et donc, lui, il part comme ça. Et le schlag, on le fera partir plus tard. Donc là, c'est bon, du coup. Donc là, je peux aller là. Ok, et là, on est bon. Et là, je pourrais faire passer ça ici. Ok, donc maintenant c'est ça le problème. Alors voyons, est-ce que ça va me faire un truc pareil, du pareil au même? Pourquoi je peux pas faire de pivot là? Ok, vous savez ce que je vais faire? J'ai 3.86. Par contre, j'ai de la fabrication, ouais. Je suis en train déjà de regretter de faire ça, mais je crois que j'ai pas le choix. Ouais, j'ai vu les mises à jour sur Airport.io déjà.
suis trop proche. Faut que je me recule là. Là, je pourrais mettre des autres entrées derrière. Ici, faut que je me resserve de toute la place qu'il y a là. Sinon, ça va pas fonctionner. Sachant que là, on va être assez proche. Aïe, 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 j'ai trop serré. J'ai trop serré. 213 de copper, mais une population de 28 personnes qui arrive. Oh là là, j'espère qu'on va pouvoir nourrir tout le monde. On n'a que 4 champs. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, 70%. Là, on est en train de faire de l'herbe. 2,6 mois, 1,4 mois, 40%. Ok, on a 40%. Oh là 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 là, on va manquer en bouffe, on va manquer en bouffe. 53 travailleurs. Ok, il faut que j'enlève les arbres. Je crois qu'on est dans la merde là, les gars. Ça annonce peut-être la fin. Pff, on a des homeless. Bon, c'est pas grave, ils vont crever, tant pis. Par contre, faut qu'on gagne des unités. Est-ce qu'on fait des recherches? Non. Ouais, voilà, on va regagner des unités une fois qu'on aura fini. Mais non, on fait pas de recherche. On a 24 personnes qui sont à la rue. Ah, le beacon, stop. Voilà, faut pas qu'on soit dans le négatif. Et les gens à la rue, tant pis. Hein. Ils vont rester un peu à la rue, c'est pas grave. Tant pis pour eux, ils n'avaient qu'à pas venir. Ouais, j'ai toujours pas la pompe à eau, c'est vrai. Et ça me pose bien des problèmes. Not enough maintenance. Maintenance. Et la maintenance. Mais là, on va avoir du copper, donc ça va aller. Alors. Ok. Nous voici. Donc, le charbon est au milieu. Déjà, c'est... Ah, le charbon est vide. Ah, ça, c'est plein, par contre. Alors, le charbon. Alors, voilà, c'est ça, le problème. Donc, je vais tout emmener là. Donc là, j'ai mes sorties. Ok, là, j'ai toutes mes sorties. Très bien. Donc là, sortie. Alors non, ça, là, je vais faire comme ça, en fait. Merde. Bon, ok, d'accord. Allez, c'est bon, on fait tout. Donc, le charbon.
Est-ce que je peux passer par-dessus là? Et donc ça me va pas. Donc là c'est le fer. Putain, mais le fer il va au fond et il est du côté droit, il devrait être côté gauche pour aller derrière. Ah c'est chiant, c'est chiant. Faut que j'inverse ça. Ok, faut que je fasse comme ça. Là je fais comme ça. Je reprends ça. Je reste au sol. Là je monte ici. Alors, s'il y a un autre copper, comment on va y aller? C'est pas bon encore, hein. Ah, je m'emmerde tellement! Parce que c'est pas dans le bon ordre par rapport à comment j'ai mis les machines. Je recommence. Je vais trouver un truc logique, hein. Je veux pas que ce soit entièrement dégueulasse, en fait. Donc, le charbon est en bas. On va recommencer ça. Ça, c'est bon. D'ailleurs, le charbon, pourquoi il reste pas en bas dès le début? Ouais, bon, super. Ok, cool. C'est chiant qu'on puisse pas effacer bloc par bloc. Ça, c'est un vrai problème. Alors, si je fais comme ça... Ok, on laisse tout au sol. Alors, voyons. Si je laisse tout au sol à partir de là, je peux faire juste un petit pont qui passe par-dessus. Donc, je peux enlever ça. Du coup, là, j'ai fait un retour. Pourquoi? Parce que là, si je reste en hauteur ici, est-ce que je peux descendre là? Ok, donc je peux juste changer ça, en fait. Voilà, comme ça. Comme ça. Et là. Ok. Du coup. Là, on va pas le faire passer dès le début. Alors, on va y arriver un jour, hein, vous allez voir. Je vous promets qu'on va y arriver. Voilà. Voilà. Et voilà, et comme ça ici je peux le reprendre pour le descendre à une autre machine, enfin. Et là du coup je peux faire ça. Je peux rester au sol. Je peux monter ici. Je peux faire ça. Là je peux enfin aller là-bas. Et je pourrais alimenter mes deux machines. Waouh. Ok. Ok, 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 ok. Let's go. Oh, oh là là, c'est ric-rac. Bon, j'aurais pu mettre la cheminée par ici, mais bon, on va la laisser comme ça. Ok, 20 mois d'avance sur la bouffe. Combien de scrap, de copper, pardon? 157, nickel.
Not enough Wuxing, Balek. Not enough maintenance, j'espère que ça va aller. Ah ouais. Ah ouais, 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 ouais. 8-23. Il y avait un problème ici, hein. Du coup. Deux camions. Et on va même en mettre. Je vais faire une autre. Ah mais non, j'ai plus trop de cuivre. Quoique. J'espère que ça a remonté le charbon là. En essence, on est à 300. C'est surtout la maintenance qui doit revenir là. Vite! Il nous faut du charbon, vite! Ah, il nous faut vite des plaques là. Avant que ce soit la merde. Parce que si les véhicules commencent à casser, on a perdu la game. Faut que les plaques arrivent instantanément. Et voilà, c'est parti pour l'emmerde. Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. J'espère que ça va. J'espère qu'on va sortir de la merde, hein, parce que là on est ric-rac. Oh aïe 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 aïe, ça y est, c'est perdu. Métal cassé, on y transporte tout de suite tout. Impure copper. Ok, on est full. On commence à faire du copper. Il est impur pour le moment. J'espère qu'on va pouvoir tout réparer. Ça, on met sur pause. Et on regarde les plaques de fer pour réparer les véhicules. Je sais pas si on va s'en sortir, les gars. Vous savez quoi? On va mettre ça sur pause. Ça mène à tous les véhicules cassés. 17 mois de bouffe d'avance. Ça y est, c'est la merde. 50%. Dans 3 mois, dans 5 mois, 5 mois, on a 70%, 80%, on passe à la patate, 60%, on passe à la bouffe, et voilà, magnifique, ça y est, c'est l'enfer. Une unité, heureusement. C'est peut-être ça qui va nous sauver. En tout cas, le charbon, ça n'arrive pas à remonter. Ah, parce qu'il faut qu'ils emmènent. Il faut un troisième camion, mais ils sont tous pétés. C'est bon, ça se répare vite fait, mais ça repète aussitôt. Donc, on n'a plus que 32 copeurs. On a des gens qui sont à la rue. Est-ce qu'on va pouvoir produire du copeur avant d'être à la rue nous-mêmes? Parce que maintenant, qu'est-ce qui se passe?
Ouais, je sais, je sais. J'ai plus de copeurs. Hein. On a 66 travailleurs disponibles. Alors, on va se regagner encore un peu de copeurs, même si on n'a plus la place dans le village. On n'a plus que 11 mois de bouffe d'avance. Ça va être l'hécatombe, on va devoir stopper toutes les productions. Aïe, 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 je crains le pire. Donc voilà, entrée d'acide. Et voilà, on fait enfin du copper. Ça y est, je suis arrivé au bout de tout ce que je sais faire là, vraiment. Alors là, si j'en mets deux, il va falloir faire comme ça. Voilà, vous voyez la complexité de faire du copper? Ah voilà, ben voilà Katana, t'as saisi toute l'ambiance que vous n'avez pas vue jusqu'à présent parce que j'ai recommencé 15 fois et que du coup j'y arrive bien. Mais là ça y est, on commence à lutter et là vous vous rendez compte de la difficulté du cuivre, du problème que ça pose. Sachant que de l'essence, on doit en avoir des millions. Pas tant. Et là maintenant, faut qu'ils arrivent à remonter là. Regardez ça, regardez ça! C'est parti, mon kiki! Et tout. Ah, ça y est, ça y est, ça y est! Ça y est! Pff, ça y est, ça y est, ça y est! Il a le copper! Il a le copper! Yes! Oh, yes, 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 yes! Quatorze mois de bouffe d'avance. Quatre-vingts travailleurs disponibles. Putain, on va crever, quoi.
On va crever, on va crever. Où est-ce que je choisis de mettre des nouvelles fermes? Est-ce que je vais avoir le temps de les construire? On a 80 personnes, je pourrais rajouter au moins 2 fermes. Et il faut que je fasse tout le branchement de la flotte. Sachant que là, j'ai des sorties qui sont dispo. Alors, comment j'ai fait ça déjà? Là, ça, c'est les cuves pour la flotte. Et ça, c'est les cuves pour le village et la production. Donc là, il y a une sortie ici que je pourrais alimenter. Ok. Bon, même si ça sert... Ah non, je peux pas le brancher. Donc, il faudrait que je sorte ici. J'aille là-bas. Est-ce que je relie les deux productions ensemble? Auquel cas, je peux prendre cette sortie. Vas-y, je vais tout connecter ensemble. On l'a pas fait depuis le début de la game. Ah, mais là, c'est l'eau qui va sur le boiler. J'espère qu'on va avoir assez de... Ah, mais il faut que j'installe une pompe, c'est vrai! Il faudrait 7 unités. On balance une ferme directe parce qu'on va crever.